Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour découvrir le jeu Code Geass Genesis Recode qui est disponible depuis quelques jours, mais j'ai réussi à me connecter qu'aujourd'hui parce qu'il me fallait créer, il me fallait que je me crée un nouveau compte Google version JAP et c'était assez dur. J'en ferai une vidéo plus tard, mais dans tous les cas, je pense que quand vous allez voir le gameplay, j'ai déjà vu le gameplay, hein, le jeu en soi. Pour un jeu 2021, c'est pas incroyable. Et vu la note qu'il a eu sur le Play Store, qui est à moins de 2, on verra. On va pas. On verra, on verra, on verra. Du coup, on va découvrir, invoquer. La vidéo va durer une vingtaine de minutes. On va voir ce que ça va donner. Ok. En fait, les aspects positifs du jeu. Les points positifs du jeu, là, pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est les artworks, les attaques spé et les invocations. En dehors de ça, c'est un jeu chibi. Skip. C'est un jeu chibi et, on va dire, réellement, je vais vous dire que les jeux chibi, c'est pas du tout ma gamme. Ma cam, plutôt ma cam. Par contre, le jeu est assez fluide. Ok. Tout est en auto dès le début en fait. J'ai l'impression de voir les premiers jeux Game Boy DS et tout là. On dirait des jeux en 16 bits limite. On va skipper. Hein. Non, on en aura pour plus de 20 minutes là. On n'est pas là pour ça. Surtout que le téléchargement, c'est du 1 giga in-game. Ok, on skip. Donc on se direct avec le multi gratuite. Oh là là, le fan service est présent. De toute façon, je l'avais déjà dit. Oh là là. Ok. Oh, ils auraient dû mieux travailler en vrai. Ok, j'ai un petit truc là. Ah oui. Bon, c'est du 2 étoiles. Nous, on veut du 4 étoiles, bien sûr. Eh ben, ça promet. Hein. Wow, par contre, le fan service. Oh! C'est un 4 étoiles? Non, c'est un 3 étoiles. Du coup, c'est pas incroyable. C'est pas du tout incroyable comme multi. Ouais, ok. Ça coûte 2000. Ok, l'animation elle change là. Oh, j'aurai un truc. Est-ce que je vais avoir un truc? Deux, quatre. Ah, c'est des cartes support, ça, je crois. J'ai envie de skip parce que c'est ennuyeux. Et j'ai pas beaucoup de chance. On va voir si on aura des trucs dans le coffre de cadeaux, dans les récompenses. Oh là là, ce jeu, mais ce jeu. J'ai envie de me tirer une balle. En plus, on n'a même pas la possibilité de faire des rerolls à l'infini sur la première multi. C'est dommage.
Ok. À ce niveau-là, autant jouer à Danmachi, hein. Ok, c'est parti. J'espère ne pas être déçu par la suite. Un petit x2, il ne serait pas de refus. En fait, tout est en auto. À part si on débloque quelque chose par la suite, mais ça m'étonnerait. Wow, les spells sont dégueulasses. Pourquoi ils ont dit que les spells étaient belles? Du coup, un soleil, forcément. Je vous mens pas qu'en termes de qualité, ils auraient dû faire quelque chose de plus beau, hein, au lieu de se focaliser sur les artworks. C'est bien beau de faire du fan service, mais. Si derrière il n'y a pas de, il n'y a pas quelque chose de plus concret, de plus beau. Et non, ce qu'on veut, c'est vraiment de la beauté et du contenu surtout. Parce qu'on est en 2021, on va rentrer en 2022, on a ce type de qualité pour des jeux mobiles, alors que les portables ils coûtent plus de 1000 balles. On va dire entre 600 à plus de 1000 balles. Ok. Allô? Ok, je voulais voir si le micro marchait. Oh là là. Allô? Allô, allô? Allô les invoques, s'il vous plaît. Venez les invoques, je vais invoquer. Ok, normalement, on a de quoi invoquer. Present box, je crois. Non, information. Non. Dans le box, on a plus de 10 trucs à récupérer. Ok, on a 2 multi, ça c'est cool. J'accepte. Du coup, c'est où les invoques? Je crois que c'est là. Non, ça c'est la team. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Du coup, on a... Ok. Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer ici? On peut. Ah, c'est payant. Non? Pas payant? Si, c'est payant. Portail payant, c'est cool. On kiffe les jeux comme ça. Est-ce que l'animation va changer? Oh! Non? L'animation elle a changé là, non? Alors on n'avait pas ça. Ça promet, hein. On skip. Parce que c'est pas ça qu'on veut. On va voir le taux de drop après cette multi parce que j'ai peur. Hein. J'ai peur. Hein. Même si ça reste des gachas, je le dis à chaque fois. C'est incroyable, hein. 4 multi, j'ai rien drop là. Désastreux. Hein.
Bon, ok. Le drop n'est pas foufou. D'ailleurs, on va aller voir ça. L'autodrop, on peut voir l'autodrop, je crois que c'est là. On y a du 0,7%, du 3%. Ah ben c'est moi qui ai pas de chance alors. Ok, bon, je pense qu'on va faire des petits rerolls, on va jouer un peu le temps qu'on est Kimetsu no Yaiba Kepu, non Inokami Keputan du jeu console. Mais voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo découverte du jeu. Pas foufou. Vraiment pas foufou. Pour ma part. Ciao, à la prochaine. Et peace.